passe une cheminée à poser contre un mur. Donc on voit que l'arrière est isolé contre la chaleur. Toutefois, il ne faut pas la coller contre le mur, il faut toujours laisser un petit espace. Donc à l'intérieur, on trouve le bloc de combustion. Donc ça dépend des blocs. Hein. Donc celui-ci, on peut régler l'intensité de la flamme. Et ici, l'endroit où on charge le bioéthanol. Donc le bloc, on peut le retirer. Donc faites attention, généralement, il y a des blocs de combustion pour deux types de bioéthanol. Celui-ci, c'est un bloc de combustion pour bioéthanol liquide. Et certains sont faits pour le bioéthanol en gel. Donc moi, par exemple, j'ai acheté du bioéthanol en bidon d'un litre. Donc attention, c'est extrêmement dangereux. Et avec ce modèle de cheminée, j'avais une vitre de protection. Et vous pouvez acheter de la décoration spécifique. Cette décoration supporte la chaleur. Donc là, j'avais cet accessoire qui me permet à distance d'agrandir ou de baisser le foyer.